Oui, bonjour. Votre nom? Je réponds au nom de Abubakar Kondé. Un infirmier d'État. D'accord. Monsieur Abubakar Kondé, quel est le constat que vous faites de la manifestation d'aujourd'hui? Pour aujourd'hui, vraiment, c'est constaté qu'il n'y a pas tellement de circulation. Je ne sais pas c'est quoi. Je me demande. Vous êtes là, on vous voit au rond-point, vous cherchez la voiture? Je ne sais pas la voiture, mais je cherche la moto pour aller là où je travaille. Cherche la moto pour aller là où vous travaillez. Oui, là où je travaille. Et ça coïncide à une journée de manifestation. Est-ce que ça vous arrange? Selon moi, quand même, ça ne m'arrange pas. Vous oui, parce que la circulation est peu. Je me demande. La caméra. Okay. Je me demande, oui. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez constaté des échauffourées par là, puisque nous sommes à Ouangara présentement? Qu'est-ce que vous avez constaté par là? C'est ce que je vous dis. Je dis bien et je réponds encore. Je répète en un mot. Je dis aujourd'hui, la situation, vraiment, ce que je vois, ça ne m'arrange pas. Quel appel avez-vous à lancer aux manifestants ou aux autorités par rapport à cette situation? Bon, selon moi, ce que j'ai appris, que vraiment, il y a les manifestations. Mais je n'ai pas vu les mouvements. Vous n'avez pas vu les mouvements? Et je vois aussi les voitures circulent un peu. Vous avez un message à l'endroit des manifestants? Je reçois mal. Pour éviter des manifestations. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter les manifestations? Vous avez un message? Non, je n'ai pas un message, vraiment. Merci. Bien, c'est pas justement bien, c'est pas même juste pour se manifester aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée de joie. Aujourd'hui, c'est une journée de joie, une journée de paix. Moi aussi, c'est moi. Hein. C'est ma mère qui m'a commissionné d'envoyer ça, c'est ma soeur. Et aussi, je vais aller encore. Personne ne va me accuser. Personne ne va me toucher. Pourquoi? Moi, je ne suis pas des arts comme ça pour pagailler dans mon pays. Moi, je mérite que la paix et ça soit juste. Il y a l'amour entre nous et l'amour se casse. Pourquoi jeter les cailloux? Pourquoi nous? Pourquoi pas dire la vérité en Guinée? Pourquoi pas avancer? Pourquoi justement, jusqu'à ce moment, il y a le retard? Pourquoi en Guinée? Pourquoi nous? Chaque fois, c'est les manifestations. Chaque fois, le gouvernement, il y a un problème. Pourquoi ça? Moi, je prie à les Guinéens de donner les mains et encourager et se lever encore, se battre pour l'avenir. Parlez. Nous avons manifesté plusieurs fois, mais je ne vois aucune importance dans ça. Sauf nous les citoyens ou des jeunes qui sont inconscients, qui viennent toujours manifester et ils sont toujours victimes de tueries, de blessures. On manifeste pourquoi? Les gens dont nous manifestons, ils sont là-bas, ils n'ont rien eux, même s'ils sont arrêtés, ça peut leur dire quoi? Ou bien ça peut leur faire quoi? Ils ont juste été arrêtés. Et ils sont à garde à vie. Les conditions de leur famille sont toujours dans les bonnes conditions. Est-ce que vous voyez, nous qui sommes pauvres et ils nous empêchent de faire nos activités, regardez, toutes les boutiques sont fermées, il y a des manifestations partout, il y a aussi des gendarmes. Ça ne nous arrange pas, nous, les citoyens du quartier. Moi, je ne vois pas de l'importance. Okay, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à ceux qui appellent à manifester, mais également à l'État? Bon, ce que je dis d'abord à ceux qui appellent à manifester, s'il y a une autre solution, ils n'ont qu'à trouver cette solution. La manifestation n'est pas bonne pour nous, les citoyens. Parce que rien ne change. Depuis 2000, combien nous manifestons? On n'a vu aucun changement. Aucun changement. Donc, s'il y a un plan B, ils n'ont qu'à passer par ce plan B. Le plan A là
je ne pense pas si c'est la bonne solution. Voilà, ouais, je dirais. Aya am fa kore ma de batare